Mesdames et messieurs, bonsoir. J'aimerais débuter cette soirée en remerciant quelques gens. Premièrement, merci à nos plus grands commanditaires, l'Institut artistique national et l'Université de Bel-Air pour tout l'appui qu'ils nous ont offert lors des dernières années. Merci aussi à tous les autres organismes qui ont contribué à cette soirée, en nous offrant des dons de matériaux, en ayant promu l'événement et pour toute l'aide financière fournie. Un grand merci aux recruteurs universitaires de l'IAL et de Bel-Air d'être venus assister à cette compétition. Finalement, j'aimerais vous remercier, chers spectateurs, pour tout l'appui que vous offrez à nos deux finalistes. Tout au long de la compétition, ces deux artistes talentueuses ont dû soumettre des œuvres qu'elles ont ensuite eu à présenter. Par contre, ce soir, pour la première fois de la compétition, elles devront créer leurs œuvres en direct sur scène pour vous tous. Deux finalistes, Maryse Lionel et Atlas Beaux-Arts, on va faire une création sur le thème de la vie. C'est-à-dire, nous faire une composition artistique représentant comment elles perçoivent le monde. Je suis Adolphine Beaux-Arts, gagnant du prix national de la peinture et présidente de l'Association internationale des grands artistes. L'art, c'est ma vie. Il est retrouvé dans nos vies de tous les jours. L'art est à la base de tout, le contraste entre la lumière et le noir, le bonheur et le désespoir. Les couleurs vibrantes retrouvées dans la nature, le mouvement dans le vent, la dimension de tout. Et c'est ce qui inspire cette dernière étape de la compétition. Sans plus tarder, je souhaite bonne chance à nos deux finalistes et je vous souhaite une bonne soirée. Bienvenue, bienvenue, mesdames et messieurs. Voici la 19e édition de la compétition de sport à l'école secondaire Adolphine Beaux-Arts. Les compétiteurs d'aujourd'hui, notre prodige en première année de dessin, aux côtés Jardin de la Reine, Maryse Lionel! Et du côté court, la gagnante de l'édition précédente du concours La Fille, Adolphine Beaux-Arts elle-même!
Atlas Posa! Alors, les règles sont simples. C'est une création sur le thème de la ville. Vous ne pouvez utiliser que le matériel sur la table derrière moi. Et vous ne pouvez pas interférer avec l'œuvre de l'autre compétitrice. Compétitrice! Prenez vos pinceaux! Et commencez! Et c'est parti! Mademoiselle Lionel a commencé en utilisant des pastels. Un choix intéressant conduit du fait qu'elle a toujours réalisé des œuvres au pinceau. C'est ça! Et si on regarde bien, l'œuvre de Mademoiselle Lionel est en fait une utilisation magnifique de la perspective. Voyez comme elle fait de parfaite forme sur le papier. Vas-y, Atlas, que fais-tu? Ajoute du contraste entre la lumière et le noir. Oui, mais si on regarde l'œuvre de Mademoiselle Beaux-Arts, on voit une représentation symbolique de la joie. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on a pratiqué. C'est ça, et puis en plus, son choix de couleur est vraiment magnifique. Atlas! Atlas, tu es une Beaux-Arts après tout. Rends-nous fiers, rends-moi fier. Ajoute des couleurs plus vibrantes comme dans tes autres œuvres. Tu avais tellement de mouvement dans les autres. J'ai quelque chose de dimensionnel. C'est pas vraiment vrai ça. Elle est maître du choix de couleur. J'aime l'émotion qu'elle exhibe dans chaque coup de pinceau. Tu vas la calmer, les gens commencent à remarquer. Elle est passionnée, c'est tout. Si tu ne la calmes pas, je vais faire. Je ne la laisserai pas traiter ma nièce comme ça. Il est impossible de minimiser la qualité de son œuvre. Pénalité pour Mademoiselle Lionel. On dirait qu'une joueuse s'est blessée en essayant de faire sabotage. Mademoiselle Lionel a essayé de peindre sur l'œuvre de Mademoiselle Beaux-Arts. Un réel acte de tricherie. Oh oui, vu cette circonstance inattendue, nous allons nous consulter pour déterminer la procédure à suivre. Bon, toi, va appeler les urgences. Toi, va me chercher une trousse de premiers soins. Toi, va me chercher de la glace. Il y en a près de l'entrée de l'école. Ça va? Je m'appelle Atlas Beaux-Arts, j'ai une certification en premier soin. Est-ce que vous consentez à ce que je vous soigne? On laisse les enfants à l'école dans cette soirée sans jour. Tout, mais c'était bien. Aïe! Bon, allez-y. J'ai appelé les urgences. Ils arrivent. Danse. Mesdames et messieurs, nous avons déterminé que les œuvres sont à un stade assez avancé pour pouvoir être jugé. Ainsi, les œuvres seront évaluées et notre concurrente blessée, la respiration ne l'ayant pas abandonnée, sera amenée à l'hôpital après l'appréciation de son œuvre. C'est ça! Alors, on va commencer avec l'œuvre de Mademoiselle Lionel. Son utilisation de la perspective est, comme elle l'a dit, absolument formidable. Mais si on se tourne vers l'œuvre de Mademoiselle Beaux-Arts, on voit quelque chose d'assez unique. Oui, en regardant le dessin de Beaux-Arts, on voit vraiment l'authenticité de l'émotion. Le jaune du soleil fait un magnifique contraste avec le bleu de l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, il est fantastique. L'arrière-plan demande vraiment à quel point l'émotion est la seule qui existe. Et donc, le grand prix sera accordé à Mademoiselle Beaux-Arts! Hey! C'est clair que l'œuvre de Maryse est bien meilleure que la mienne. Mademoiselle Beaux-Arts, on vous recommande fortement d'accepter le prix. Votre mère serait très déçue d'apprendre que vous l'avez refusé. C'est presque un cadeau de sa part. Non! Je ne veux pas accepter le prix quand Maryse le mérite. Vous... Regardez-moi ça! Cette œuvre est une excellente utilisation de la perspective, comme vous l'avez dit. Mais par contre... Mais ce n'est pas tout! Elle se sert d'un assortiment d'outils qui ont chacun leur place à l'intérieur de l'œuvre. Vous avez utilisé le... Les pastels se mélangent parfaitement au pinceau et à l'encre. Le choix de couleur... Et puis l'arrière-plan, avez-vous vu l'arrière-plan? Oui, quasi. Rouge avec des touches de rouge vin en contraste parfait avec la scène en... La scène, là. C'est pas simple. Cette représentation symbolique est bien meilleure que la mienne, mesdames et messieurs.
Et ainsi, j'insiste qu'on remette le prix à Maryse. En plus que c'était un accident. Mesdames et messieurs, vu cet événement inattendu, nous allons accorder le prix à l'autre finaliste de l'événement. Oui. Donc, pour la première fois de l'histoire de l'école, un gagnant de la compétition aura refusé un prix. Ainsi, notre gagnante est Mademoiselle Maryse Lionel. Il m'a envoyé pour vous recruter. Je suis avec l'Institut Artistique National et on peut faire la même offre. Sciences, mathématiques, droit, médecine. Salut! 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 Salut? J'ai vu la compétition, c'était fantastique. Tu es tellement bonne. J'ai même pas gagné. Ça, c'était juste le traité de 8 ans. Tu n'as pas à t'en inquiéter. Je suis certaine que tu es aussi douée que ta mère. Vous connaissez ma mère? Mais oui, bien sûr, tout le monde la connaît. Elle est une innovatrice artistique. Et ça, ce n'est pas peu dire. Personnellement, je suis une grande admiratrice. J'ai étudié tous ses travaux à l'université. D'accord. Ah oui, je suis une recruteuse pour l'Université de Bel-Air, le meilleur du pays. Ils m'ont envoyée pour vous recruter. Je me suis portée volontaire dès que j'ai entendu le nom Beaux-Arts. Je savais que ça allait être impressionnant. Alors, on dit quoi? On peut te faire une offre? Es-tu une matérielle tout payé? Je pense pas que je... Ça va, ça va. Je comprends. Tiens, prends ma carte. Appelle-moi quand tu es prêt. Je vais t'aider avec le processus de demande. Oh, je suis arrivée trop tard, on dirait. Bel-Arts m'a battue. Eh bien, je suis avec l'Institut Artistique National et on peut faire la même offre. C'est vrai que tu n'arrives pas à la cheville du gagnant, mais avec un nom comme le tien, on sait que tu es déjà appelé. Avec nous, tu pourras apprendre à développer ton talent. Tiens, prends ma carte. En passant, je me demandais si tu pouvais donner ça à ta mère. Ça me donnerait les chances dont j'ai besoin pour entrer à Bel-Arts. Bon, ben, tu n'as qu'à me contacter. À plus tard. Oh non, pas un autre. Écoutez, je n'accepte aucune offre. D'accord. Mais je crois que ça pourrait t'intéresser. Quoi? L'école des autres? Sciences, mathématiques, droit et médecine? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah ah! Comme tu le sais, on n'est pas vraiment connus. Alors, je te présente un peu partout. Histoire d'essayer de voir si quelque chose sort de l'ordinaire. Je n'assiste pas souvent à ce genre d'événement, mais c'est ma journée de congé aujourd'hui. Et je me suis dit, ça me ferait pas mal de relaxer un peu. Je m'attendais vraiment pas à ça. La chance doit être de mon côté. Bon, j'ai assez parlé. Tu dois être fatigué. Garde la carte. Fais-moi ça en plus. Attendez! Je veux en savoir plus. Tu dois comprendre qu'on peut pas te faire des études payées. Ou même une résidence. On est en dehors de la ville. C'est où? À une heure d'ici. Vraiment, on peut pas t'offrir grand-chose. Juste des cours qui ne sont pas dans les arts. Le budget est très petit et il baisse à chaque année. Alors pensez-y. Si la médecine, les droits, certainement autre chose t'intéresse vraiment et tu es prêt à travailler fort, tu n'auras qu'à appeler et on pourra s'en parler un peu plus. Salut. Merci, je vais définitivement y penser. La médecine, le droit, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais cru que je pourrais travailler là-dedans. Je savais même pas qu'il y avait une école comme ça. À quoi est-ce que tu penses? Tu gagnes, tu m'as fait honte! Plus que...
que l'autre avait triché. Marie, ça avait pas triché, c'était un accident. Je ne veux pas l'entendre. J'avais le train. Ton art a toujours été si bon. C'était quoi ça? Écoute, maman, je ne méritais vraiment pas le prix. Comment ça, tu méritais pas le prix? Bien sûr que oui. Est-ce que t'es là? Allez, montre-moi. C'est bien, on dirait que tu n'as pas tout gâché. Belle art et l'institut artistique. Juste deux, hein? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Donne-la-moi. École des autres. Ce n'est que de la poubelle, tu n'as pas vu. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la garder, ça pourrait être utile. Ça va prendre la place pour rien. Tu sais bien, toi plus que quiconque qui n'a pas de futur dans ce domaine. Juste parce que moi je n'ai pas réussi, ça ne veut pas dire que personne ne peut. Si elle te fait, juste parce que toi tu es très bien réussi comme artiste, peut-être que tu devrais voir que ce n'est pas pour tout le monde. Fais comme tu veux. Atlas est une très bonne artiste après tout. Pas de bon choix. Tiens, c'est à toi. Mets-le dans un lieu sûr. Si même si elle ne m'a pas fait la position, je sais que. Mais qu'est-ce que vous faites?
Je croyais t'avoir dit de ne plus libérer le crâne d'histoire de l'université juridique ou scientifique ou je ne sais quoi. Je crois que c'est dans l'intérêt d'Atlas de prendre toutes ses options afin qu'il puisse faire un choix éclairé pour son avenir. C'est mon devoir comme marraine. C'est quand même toi qui voulais que je fasse ça marraine, non? C'était avant du Kid Bellard, afin de poursuivre ses études dans sciences sociales. Non, mais quelle honnerie! Maintenant, tu habites dans un petit appartement, dénudé de toute œuvre. Eh bien, sache que j'aime ça, vivre honnêtement. Puis c'est mon choix. Tout comme c'est le choix d'Atlas de décider ce qu'elle veut faire avec son avenir. Mais moi, tu vois qu'il s'agirait de la ruine de ma fille? Jamais je ne voudrais qu'elle aille se demander si elle crèvera de faim. À la fin du... Maman, tu as fâché, bébé. Mais ça va, maman n'est pas fâchée. Je crois que tu devrais commencer à créer quelque chose avant que ta mère ne revienne. Mais n'oublie pas, tu n'as pas besoin de faire tout ce que les gens veulent. C'est toi qui décides d'être avec eux. Voulais-tu que je t'aille? Ça fait 5 semaines que maman est en tournée et que tu as tout fait pour m'aider. Merci, Henri. Je pense que je vais m'aider pour toi. D'accord, je m'en vais. Je m'en vais. Pleure ici dans ma chambre. Bonjour, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui? Merci pour ce que tu as fait à la compétition. Tu n'auras pas besoin de la surprise. C'est les miens, tu mérites le droit. Comment va ta cheville? Très bien, Garçada. Le quelque part, je suis en plein fond bientôt. C'est bon à entendre. Elle est top, Lina, celle-là, avec son attitude. Motivée. Je pense que sa mère est une grande artiste. Elle pense qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. C'est elle. Jolie. Bonjour tout le monde! Merci. Bonjour tout le monde! Comme vous le savez, vous êtes maintenant dans votre dernière année. Ça veut dire que c'est enfin à votre tour de choisir le domaine que vous aimeriez poursuivre. Ici en orientation, nous avons plusieurs choix de collège et d'université pour vous, comme l'École nationale de danse, l'Université de créativité, l'École internationale de musique... Yeah! Musique! Ouais! Musique! Ouais! Ouais! Aussi, n'oubliez pas que jeudi, M. Chris Hartfield vient nous faire une présentation sur l'art de l'espace. Oui, M. Picasso? Est-ce qu'on doit y aller? Certains d'entre nous savent déjà ce qu'on veut faire. On a une passion comme de vrais artistes. Oui, vous devez y aller. Essayez de paraître un peu plus intéressé lorsqu'il viendra jeudi, d'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions sérieuses, s'il vous plaît. Non? Parfait. Vous pouvez retourner à votre classe de période bleue. Cadence, cadence. Savez-vous où vous voulez faire vos demandes? Certainement. C'est ma bonne art visuel. J'ai mis quelques pinceaux qui symbolisent ma confiance. Oui, c'est un peu abstrait, mais je crois que ce serait un merveilleux jour pour vous. Dis-moi, je suis encore en train de décider si je vais comédien. Ou bien m'inviter d'essayer de mettre en scène? J'aimerais bien faire les deux, mais je crois que mettre en scène m'a plus d'opportunités de carrière. Non, juste. Mais je me sens tellement bien quand je suis sur scène. On a encore un peu de temps. Et toi, Klaus? Eh bien, je sais pas trop. Vous savez, je suis pas très forte en art visuel. Je connais rien au théâtre. J'ai joué un peu de piano et puis mon écriture est pas pire. Je crois que ce serait fantastique, mon père. Les récits des poèmes sont géniaux. Je sais pas. Vous savez, il y a des recruteurs qui m'ont approché après la compétition. Mais il y en a juste un qui m'a intéressé. C'est pour une école de sciences, mathématiques, les autres matières, vous savez. Ça semblait tellement intéressant. Quoi, les sciences? Depuis quand tu t'intéresses à ça? Tu ne nous en as jamais parlé avant. Est-ce que tu oublies qui est ta mère? Oui, c'est ça, Clara. Je n'en ai pas vraiment parlé. Atlas, tu devrais vraiment lui en parler avant de faire cette décision. Voilà, c'est ta mère, tu vas sûrement rater la meilleure école d'art. Puis, tu penses quand même, prends ta chance, un intello,
tout cas, moi je te suggère de bien penser avant de faire cette décision. Tu devrais parler à lui en surprise. Oh. Comme tu disais, on a encore quelques semaines. Une semaine. Merci. On demande à Atlas Beaux-Arts de se présenter au bureau d'orientation. Atlas Beaux-Arts. Atlas? Et on demande à l'orientation? Je me demande pourquoi. J'ai ma petite idée. Bon, on se voit plus tard. Ah oui, Atlas, assieds-toi. Tu sais que la date limite pour les demandes d'inscription à l'université approche, n'est-ce pas? Parce que rien n'écrit dans ton dossier. Oui, je sais, j'y pense encore. À quoi dois-tu encore penser? Tu vas aller à Bel-Air, non? Je suis sûre qu'ils t'ont déjà fait une offre. Oui, c'est vrai, mais... Parfait, je mets ça dans ton dossier. Je pense pas que tu vas l'accepter. Attends, quoi? Tu veux refuser une offre de l'établissement postsecondaire le plus renommé du pays, mais c'est... En fait, est-ce que je peux vous parler de quelque chose, Mircha Plus? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis ici. Je pensais lâcher complètement l'art et me lancer dans les sciences. Honnêtement, je ne te recommande pas d'aller en art. Il faut que tu saches que les temps sont difficiles pour les scientifiques. Même si tu veux faire ça comme carrière, il va falloir que tu travailles à temps partiel au musée. Les fonds pour ce genre de carrière ne sont pas bien élevés, disons. Oui, je sais, mais j'ai envie d'essayer quand même. D'accord, c'est à toi de décider ce que tu veux. Mais je te suggère d'en parler avec tes parents d'abord. Je vais écrire ça dans ton dossier. Il faut que tu te décides bientôt. Prends-en avec tes parents et reviens me voir d'ici jeudi et on pourra discuter et commencer la demande. Tu peux y aller maintenant. Est-ce que vous pourriez faire une faveur et ne pas envoyer le courrier à mes parents? Je veux leur dire moi-même. Je vais te donner une journée de grâce et j'enverrai le courriel demain. Alors tu devras leur en parler ce soir. Si tu ne le fais pas, ce sera de ta faute, d'accord? D'accord. Mon Dieu. Salut maman. Ça va? Oui, moi ça va bien. Oui, je suis toujours en orientation. Oui. Oui, j'aime ça, c'est ça. C'est vrai que c'est pas une forme d'art habituelle, mais ça me plaît, tu sais. Oui, maman, je fais des sorties, j'ai plusieurs amis. Oh, maman, je dois te dire, je viens de rencontrer quelqu'un de vraiment formidable. Un artiste? Non, mais ce qu'il fait est tellement intéressant. Il est astronaute. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les gens qui s'en vont dans l'espace. Mais maman, il est tellement charmant et beau et... C'est ça. Maman, tu l'adorerais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas important, on en reparlera. Non, Atlas.
va renseigner un atelier à l'université de Bel Air demain. Ce soir est probablement le meilleur moment. D'accord. Si les recruteurs sont venus voir après la compétition, je vais aller en orientation et je peux avoir une bourse pour les états des arts. Mais oui, c'est certain. C'est formidable que tu fasses enfin le bon choix. J'avais pas exactement terminé. Le programme qui m'intéresse par contre n'offre pas de bourse. Pas de problème. C'est que j'ai des contacts en art. Certainement s'appuyer financièrement. C'est pas dans les arts. Je te demande pardon. Tu te souviens du collège des autres? Ah, là, ce n'est pas sérieux. Écoute, maman, je suis prête à en payer la moitié. Même tout. Merci de se niaiser. Tu dois prendre ton avenir au sérieux. Je suis sérieux. Je ne t'aiderai pas à ruiner ton avenir. C'est tout. La fille, vous ne croyez pas que je vous dirai ce que je fais. Mais qu'est-ce passé? Viens. Je m'en vais dans ma chambre, j'ai des devoirs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Papa, j'ai une bonne attire à ma peinture. Oui. Je sors pour me tâcher. Notre fille a décidé d'obtenir sa peinture dans le nouvel atelier de la galerie municipale. Oh, c'est formidable! Oui. Je dois faire une valise. Bébé, tu veux composer une mélodie avec moi? D'accord. C'est juste que Tamar aurait toujours voulu qu'elle aille en peinture comme elle. Mais moi, je sais que tu veux aller en peinture. Ce n'est pas assez pour elle? Bébé, écoute. Quand les gens ont des premiers enfants, ils se font des idées sur eux. Sur ce qu'ils vont faire, sur comment ils vont être. Tamar s'est dit depuis 18 ans que ta soeur serait le beau soeur à suivre dans ses pas. Et si elle ose, ne veut pas faire ça? Il faut qu'elle y agisse. Spécialisation aérospatiale, ou le NASA comme raccourci. C'est moi qu'on envoie dans l'espace pour analyser le processus de création de l'univers. Pas mal cool, hein? Bon, alors commençons. L'espace est un endroit vraiment extraordinaire. Saviez-vous que la lumière se déplace à 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde? C'est tellement rapide qu'elle peut traverser la distance de 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil en à peine 8 minutes. Vous vous imaginez? Si nous pouvions voyager à sa vitesse, ce serait tellement plus facile d'explorer notre univers. Par contre, on n'arriverait jamais à l'explorer au complet tellement il est vaste. Ah! Je ne croyais pas avoir une question aussitôt que ça. Oui!
Est-ce qu'on doit rester? La plupart d'entre nous, on n'est pas intéressés par cette niaiserie. On sait déjà ce qu'on veut faire. C'est ennuyeux. Picasso! Quoi? Vous allez me demander de sortir peut-être? On arrête ça tout de suite! Ah 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 ah! Professeur, je veux rien dire de privé avec toi. J'avais oublié. Clic! Ah, comme c'est beau, c'est couleur, hein? Les belles touches de rouge, de bleu et de violet. C'est vraiment une œuvre naturelle, impeccable, moi. Ceci arrive lorsqu'une de ces belles étoiles meurt. Après des centaines de milliers d'années, l'étoile éclate en boule de feu et toute cette chaleur et luminosité donne ce produit merveilleux. Partout dans l'espace, on peut voir ces empreintes violettes. Un beau contraste contre le ciel si foncé et une belle utilisation des techniques d'ombrage. Une autre partie de mon travail, c'est d'évaluer les distances planétaires. Le choix artistique de placer notre planète vers la lumière nous donne plusieurs avantages comme humains. La symétrie entre ces sphères colorées est très plaisante à l'œil perfectionniste. Afin de mieux vous démontrer ce phénomène, j'aimerais avoir un bénévole ici, ce... Oui! Oui, toi là-bas avec le gilet beige, oui! Bonjour, ton nom? Atlas. Oh, c'est Atlas Beaux-Arts. Vous savez, la fille d'Adolphine Beaux-Arts. Là, Adolphine Beaux-Arts. Je connais pas. Bah, quand dans l'espace, on commence à oublier les Cédric D ou le scandale de la semaine. Pas trop d'infos sur mon là-haut, pas d'importance. J'en ai besoin de toi. Tu vas être mon soleil, c'est toi là. Parfait. Bouge pas. Comme vous l'avez peut-être deviné, Atlas ici est notre soleil. Le soleil, une belle grande sphère de couleurs chaudes. Une belle grande sphère de couleurs chaudes est le centre de notre système solaire. Et cette planète-ci, c'est la Terre. Notre Terre, c'est là où on habite dans ce système. Cet endroit est par hasard l'endroit idéal pour avoir les conditions de vie nécessaires à notre survie. Et en plus, on est placé en orbite circulaire autour du Soleil, tous dans des espaces systématiques. Comme dans toute belle œuvre, le placement des sujets est très important. Notre taille peut aussi un bon contraste avec cette planète-ci, appelée Jupiter, une planète énorme comparée à la Terre, avec beaucoup de couleurs chaudes, comparée à la nôtre, qui a des couleurs un peu plus froides. Oui, froides. Froides, oui. Couleurs froides. Atlas, tu peux aller t'asseoir maintenant. Et merci encore. Et ça, tout le monde, c'était une introduction aux sciences de l'espace. Un domaine d'études super intéressant avec plusieurs branches d'emplois différents. Merci à vous tous de m'avoir écouté et merci à toi, Atlas, d'avoir été un merveilleux soleil. Alors, as-tu choisi où tu voulais aller? Eh bien, j'ai quelques idées. Atlas, il faut vraiment que tu décides. La date limite du dépôt des demandes est minuit ce soir. Oh. Atlas?
pas de bon choix. C'est une beaux-arts après tout. Fais-moi honneur. Avec un nom comme le tien, ton succès est déjà assuré. Je suis certaine que tu es aussi douée que ta mère. Ton nom a toujours été si bon. Tu es tellement bonne comme auteur. Ce n'est pas facile d'impressionner maman. Tu m'en fais honte. Il y a toutes sortes de vocations qui ne tournent pas autour de l'art. Je suis astronaute. C'est moi qu'on envoie dans l'espace. S'il y a autre chose qui t'intéresse, école des autres. Ce n'est que de la nouvelle. La science? Depuis quand s'intéresse à ça? C'est toi, New Year. On ne peut pas t'offrir grand-chose. Tu ne peux pas laisser passer la chance de ta vie. Choisis ce qui te rend heureuse. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que les gens veulent. Tu penses à une chose comme Intello? C'est le choix d'Alaus. Tu es la vie de la fille Beaux-Arts. L'art n'est pas pour tout le monde. Tu n'es pas sérieuse. Il s'agit de la ruine de ma fille. L'espace est un endroit vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de culture dans ce domaine. Elle doit faire avec toutes ses actions. Je sais que tu es le bon choix. Je serai ton ami quand même. C'est toi, Cécile. D'accord. Je vais envoyer ton choix. Alors, c'est ça. Merci. Bonne journée. Bon, merci, tard. À plus tard. Oh, et Atlas? Oui? Ben, je te fais confiance. Mathieu Crasswell, je suis en 9e et j'ai joué Picasso. Moi, c'est Loire Doyon, je suis en 10e et j'ai joué Adolphe Beaux-Arts. Moi, c'est Marie-Thine Lajeunesse, je suis en 9e et j'ai joué Moi, je m'appelle Harmonie Miron, je suis en 9e, j'ai fait comédienne comme Félix.
Je me nomme Danica Savoie et j'ai joué Marie-Ise Lionel. Je m'appelle Anna Charlotte Tremblay, je suis en 10e année et j'ai joué Atlas. Je m'appelle Isabeau Ibazetta Best, je suis en 9e année et j'ai joué le recruteur vert. Et je me nomme Brad Hicks, je suis en 10e année et j'ai joué le Paul avec Paul. Je m'appelle Mireille Paquette, je suis en 9e et j'ai joué le recruteur bleu et le Paul. Allô, moi je suis Hannah Griffith en 10e et j'ai des costumes maquillagés. Isaac Robitaille, 12e, j'ai joué l'arbitre et Christopher Hartfield. Donc moi c'est Madame Foss, je suis responsable de la troupe, puis on dit que je suis en 6e année, puis Monsieur Robert qui est en directeur de production qui est en première année. Donc, si vous avez des questions, ce serait le temps de les poser. Si vous êtes curieux au sujet d'un élément ou d'un autre, ou si vous avez des commentaires pour nos comédiens et notre équipe, oui. Est-ce qu'il y a des autres comédiens qui sont comme Dans comme les comédiens dans la vraie vie ou dans le show? Dans le show. OK, ça fait que la famille, est-ce que vous pouvez vous approcher? Ça fait que ça, c'est la famille. Papa, Octave. Maman, Adolphine. Tante Chaminot. So, qui est la sœur de d'Octave. Ensuite, on a les deux sœurs, Phoebe et Atlas. Donc, les autres, c'est juste des amis à l'école et pas de parents. Rien de parents. Okay, autre chose? S'il y en a qui se demandent des questions, les costumes, ils ont tous été créés comme à partir des canvas. Donc, notre équipe de costumes a vraiment fait une belle job à créer et tout concevoir. Tout est fait par les élèves, puis je trouve qu'ils ont fait une excellente job. Oui! Donc, questions? S'il n'y a pas de questions, vous retournez à la classe. Merci, là. Pensez-y à long terme de faire des discussions avec nous autres. Comme vous voyez, levez la main, les neuf. Les gens, que c'est leur première année en Braveur cette année. Donc, la majorité des gens cette année, c'est leur première année. Donc, ne pensez pas que si tu n'as jamais fait ça, que tu ne peux pas faire ça. Donc, quand vous allez rentrer en 9e année, là, gardez l'œil ouvert et l'oreille ouverte pour les annonces pour les auditions au début de l'année. Puis c'est pas juste comédien aussi, comme monsieur il fait proche, mais c'est comme on a des personnes qui font toutes les lumières. Sauf si tu ne penses pas que tu veux être sur la scène, tu peux aider avec le maquillage, avec les costumes, avec le son. Il y a plein d'autres affaires que tu n'as pas besoin d'être comédien pour. Beaucoup de travail, c'est sûr. Et je voulais vous remercier, vous avez été une excellente foule. Merci beaucoup.